Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui. Qui est les fournitures scolaires de la 3ème. Voilà. Voilà, franchement. On dit pas le prix pour l'instant. On dit pas le prix. On va dire chaque prix à chaque fois. Chez Bureau Vallée. Bureau Vallée. L'année dernière, on avait fait Auchan et Bureau Vallée. Là, c'est tout Bureau Vallée. On s'est dit tout faire dans le magasin, c'est beaucoup mieux. Oui. Donc juste avant cette vidéo, faut que vous alliez voir la chasse aux fournitures scolaires. On vous met le lien dans le petit i et dans la description, j'espère que je n'ai pas oublié. Donc allez bien voir la vidéo là avant de regarder cette vidéo. Et là on va présenter tout ce qu'on a acheté parce qu'on n'a pas tout montré dans la vidéo. On a acheté 44 choses pour les fournitures scolaires à Nathan. Donc il va vous le présenter en même temps. Du coup, en premier il y a un cahier transparent, tout ça pour les étés, Claire Fontaine. C'est un 21-29-7 je crois. Oui. Allez, ensuite. Ensuite, il y a deux cahiers marrons pour les maths. Donc 21-29-7. Voilà, toujours 96 pages. Ensuite, il y a un grand cahier 96 pages physique-chimie, je crois. Physique-chimie, ouais, il me semble que c'est ça. De toute façon, on va aller voir dans la vidéo chasse aux fournitures scolaires. Et du coup, on a bien rien. Un cahier pour art plastique. Voilà, très bon pratique. Il y a des feuilles normales et des feuilles blanches. Sympa, sympa. Ensuite. Ouais. Ensuite, pour l'espagnol, j'ai un cahier jaune Claire Fontaine. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les pochettes à l'intérieur. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ça, c'est 2,99€. Ouais, 2,99€ le cahier. Et alors. Et il y a aussi la petite étiquette qu'on peut mettre devant. Ah ouais, je découvre des choses. Deux cahiers pour l'histoire géo violet, 24-32 aussi, et Claire Fontaine. Franchement, la dernière on a pris des cahiers genre tout simple, mais là on voit que c'est de la belle qualité quoi. C'est que la fontaine c'est vraiment mieux que je trouve que les autres cahiers. On voit que c'est pas la même matière. On paye le prix, bien sûr, mais on voit que c'est pas la même qualité que les cahiers tout simples. Un cahier c'est un cahier. Ouais, mais on voit qu'il y a la qualité qui change. Même si, ouais, un cahier c'est un cahier quoi. Donc là, c'est un cahier rouge pour le français, donc j'ai plus de classeur. Vraiment c'est des cahiers. Ils prennent des cahiers, c'est mieux je trouve. Voilà, 24-32 aussi, Claire Fontaine. Ça fait moins lourd pour le sac déjà. C'est ça qui est sympa. Et là il y a deux cahiers pour l'anglais rouge. Voilà, 24-32 et avec aussi la, pochette. La pochette. En fait pour les matières langues, il y a fait des cahiers comme ça. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de documents dans les langues. Moi je sais qu'on rappelle en allemand et tout, on avait beaucoup de documents. Après il n'y a pas allemand mais. Donc en tout, pour tous les cahiers... 22-24 je crois. Oui mais on a rajouté des trucs, des cahiers comme ça. 22-23, bah pas plus que 30€ déjà, au niveau des cahiers. Ensuite il y a un porte-vue de 80 vues. C'est 60 vues minimum, mais je lui ai dit ça sert à rien de prendre 60 vues minimum, parce que tu sais très bien que tu en mets de plus normalement. Et c'est la marque Vivi qui est... J'aime bien cette marque. Ouais. Après il n'y avait pas d'autres marques, donc c'était soit ça, soit exactement ça, mais il n'y avait pas ce que... Attends... voulais, il n'y avait pas le truc devant comme ça. Et celui-là il est bien sympa. Avec les pages transparentes comme ça, pas avec des grains. Ah ouais. Parce que je peux pas les plats de sucre plastifiés avec des grains, c'est vraiment horrible. Ensuite. Ensuite, une pochette. Une pochette. Une chemise à rabat. Une chemise à rabat. Une pochette à rabat là-dedans. Marque Hexaconta, orange en plastique. C'est ça que je connais le prix. 79 centimes, franchement. Moi aussi. C'est le truc le moins cher qu'on a acheté à Bureau Vallée. Ce qui est cool à Bureau Vallée, c'est qu'il y a beaucoup de choses à l'unité en fait. Oui, surtout les stylos. Vous verrez bien après, les stylos, ça c'est à l'unité. C'est pas comme si vous allez dans les supermarchés, enfin les hypermarchés. Et où là c'est en pack en fait à chaque fois. Et du coup ça revient un peu plus cher. Ensuite. Ensuite il y a deux paquets de copies doubles. On se rend compte ça parce que voilà. Donc il n'y a pas de marque. On voulait pas prendre de marque parce que. Ça sert à rien, des feuilles c'est des feuilles. C'est des feuilles. C'est comme le cahier, mais là c'est pas la même chose, des feuilles. Donc on a pris deux paquets comme ça vert. C'était 4 normes, là il y a 600 pages doubles. Normalement avec 600 pages doubles, c'est assez. Oh, j'aime trop. Et là il y a des feuilles simples, 300 pages perforées, jet-up, donc c'est recyclé. C'est recyclé. Franchement là, cette année, je sais pas si elle arrive ça avec 1,79€. Mais il coûte 1,79€ et c'est du papier recyclé, donc c'est bon pour la planète. Ensuite, il y a les cançons. Donc ça c'est le canson, bah, les feuilles blanches. 180 grammes. Ah c'est vrai, on n'a pas regardé le gramme Nathan. 180 grammes. On a pris au hasard en fait. Il n'y a pas aussi A4. Ah il n'y a pas d'autre truc. Non. Donc voilà, fabriqué en France. Et regardez, c'est nouveau ce qu'il y a dessus. Ouais, c'est pour le dessin du coup. Il y avait Claire Fontaine, on verra dans les deux choses pour le chocolat. Je dis rien. Pardon. Il n'y a rien.
Ensuite. Il y a aussi le papier canson de couleur. Donc j'ai voulu prendre tout ça. Après, il y en avait un autre si vous voulez. Ouais, mais je crois que c'était 8 euros. Ouais, c'était plus cher. Voilà. Et celui-là, il coûte 4 euros et quelques. Ça, c'est 5 euros. Hein. Et ça, c'est le papier calque. Papier calque. Tout vient de la marque canson. Canson. Ah, c'est souvent ça, on comprend. Nous continuons avec les bloc-notes. Ça, c'est pour l'SVT. Un Rodia. Orange, c'est écrit Rodia. 2,09€ ce bloc. 2,09€. Voilà. Et après l'autre. C'est un Oxford pour l'espagnol. Celui-là, c'est 2,05€ celui-là. Et du coup, bah. Du coup, il reste dans un petit carnet, comme je vous ai dit avant. C'est 99 centimes le petit carnet Oxford, comme ça. Qui est pour l'anglais, je pense. Ensuite. Ensuite, comme d'hab, une règle. Bon, je m'en passe à son matériel, en fait. Et j'ai pris une nouvelle règle. Ouais, c'est une nouvelle de ma bed. Voilà, c'est une règle comme ça. Elle est sympa. J'aime bien. Bon, ensuite, j'ai pris de la colle. Donc, les UU. UHU. Voilà, sa gueule. UHU. UHU. C'est que des gros tubes, comme ça, moi, il y en aura plein. Et c'est écrit bonus pack, donc peut-être que tu as un pack spécial. Je sais pas. Alors, ensuite, il y a la gouache Cléopâtre. Bon, voilà. Il y a. C'est écrit 10 sur le côté, donc il y en a 10. Il y a des fluos. La base, Stabilo. L'écran couleur Ted Tler, je sais pas comment on dit ça. Les feutres Bic, c'était 2,80€. Non, 2,29€ même. 2,29€, écoute. Des crayons gris. Bon, c'est un pack de HB comme ça avec des gommes. Ensuite, l'agenda. L'étudiant que j'avais utilisé. On s'est trompé. Là, c'est un spécial bac en fait, l'agenda. Ouais, t'as des phrases de bac, mais bon. Truc au lieu de réviser le brevet, il révisera le bac, hein, comme ça il connaîtra bien son bac en avance. Non, ok. Mais non, c'est tout ça avec tes filles. Paré au décollage. Ok. Voilà. Il coûte 8 euros. 8,99€. Ensuite, il y a une paire de ciseaux. Je connais c'est des nouvelles. 17 cm. Donc, c'est une mappelle. Du scotch, 2 euros, je sais plus combien. Ensuite, il y a un Tipex, j'en aurais assez pour l'année. Il y en a juste pris un, mais bon, voilà. C'est vraiment pour le début, après on aura. J'en ai encore plein dans ma chambre. Un taille crayon, donc c'était de là aussi. Ouais, on a pris toute la même marque. Donc, voilà. On peut faire les grandes couleurs, et c'est écrit graphite, mais c'est pour les crayons de. Et ça coûte 4 euros. Ensuite, il y a les crayons gris, donc c'est pour l'art pastille. Taille crayon, 3,49. Pour les crayons, bah pour les, ouais, les crayons gris de l'art plastique, il y a 2H et 2B. Il y a deux stylos à fine pointe de la marque Unipin. C'est vraiment. Oh, ça commence à me gaver. Donc voilà. C'est pour la technologie. Ça, c'est des 2 euros et quelques. De 0,2 mm la pointe. Bon, ensuite... 2 euros et quelques. Mmh. Voilà. Et deux stylos 4 couleurs. Bon, j'en ai 7, je crois maintenant. J'ai un bic tout simple, voilà. Et un bic comme ça. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait une couleur différente en plus sur le truc. Ouais, mais c'est pour moi là. Ah, ok. Et ensuite, ça c'est ce qui nous a coûté le plus cher sur le ticket de caisse. Voilà, donc attends, je vais vous montrer. Déjà, c'est un compo. Encore dans la marque Staedtler. Donc voilà. Voilà. Déjà, quand on voit la boîte, voilà. Et le prix était de 17 euros, je sais pas combien. 17 euros, c'est énorme. Et du coup, on en a pour un total de combien? 137,71€. 137,71€, en sachant que tout ce qu'on a pris, Nathan avait besoin et on n'a pas tout pris. Parce qu'il y a des choses qu'on avait à la maison, genre des bloc-notes pour d'autres matières, ouais. Le cahier de techno, le cahier de musique. Des Velleda, enfin des. Les Velleda, on peut utiliser. Des stylos et tout encore en plus. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas achetées. Donc, voilà, après, malheureusement, c'est les prix de l'année. Avec les augmentations, je pense que ça a augmenté également ça, et donc c'est ce qui a fait que on a payé quand même un gros prix, mais bon, c'est une seule fois dans l'année, c'est bon. Et oui. Aussi, on avait choisi des pochettes, sauf que j'ai pas de classeur. Ah ouais, les pochettes plastifiées qu'on a achetées, qu'on a pas montré, mais en fait, on va les ramener par contre parce qu'on a pas de. D'après, on a pas de classeur. Et ça, de base, je voulais les prendre, c'était écrit 5 euros. Ouais. En fait, on a la caisse 17 euros, donc je pense qu'on va les ramener aussi. 17 euros, c'est exagéré. Et même, t'en as un à la maison, t'en as acheté il n'y a pas longtemps. Je sais pas, oui. Donc, on en achètera peut-être un autre, mais pas à 17 euros. Non, là. À 18 euros. Pour un compas, okay. C'est quand même élevé. C'est vraiment pour ceux qui savent bien dessiner ou quoi. C'est un compas. Ouais, mais il y a des idées pour le dessin, quoi. Bref. Ouais. Pour ceux qui font genre architecture ou quoi. Enfin, je sais pas. Ouais.
Donc c'est la fin de cette vidéo, est-ce que ça t'a plu Nathan? Ouais. Moi en tout cas j'ai beaucoup servi dans cette vidéo, non je rigole, c'est juste pour l'accompagner, mais j'ai pas servi à grand chose. Monsieur Prix qui n'a pas suivi la reprise, parce que c'est un peu compliqué, il est grand. Donc voilà, donc moi j'espère que ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à partager la vidéo, et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne, bientôt 10 000 abonnés, et surtout allez voir la chasse au fond de tout cela, si c'est pas encore vu, hein. Bon voilà, non c'est l'inverse, mais voilà. Juste après cette vidéo là, on va sûrement faire un autre jour. C'est quoi dans mon sac de cours, on en rigole, dans ma trousse plutôt. Quoi dans ma trousse, dans mon sac, mais ça sera plus en mois d'août. Donc j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo. À bientôt. Salut. Bisous.